francophonie, l'enseignement du français au Canada, à ce centre pour les UR, l'enseignement du français va se faire selon les méthodes de l'Alliance française. Donc l'enseignement du français à des adultes et non pas à des enfants. Et donc la première étape, c'est de former des formateurs d'Artsakh qui puissent enseigner le français selon des méthodes de l'Alliance française. Donc ça, c'est la première étape de notre programme. Oui, merci Gérard. Je vais donc retenir que c'est pas juste affaire de déléguer des ambassadeurs, de faire des gestes diplomatiques qui vaudraient une sorte de reconnaissance. Ici, on me pose la question brutale. Des conventions peuvent-elles être signées contre le Haut-Karabakh et les départements français? Alors, je pressens votre réponse, ça risque d'être compliqué. Mais d'une manière générale, si je reviens sur votre livre, M. Desperonat, moi j'ai été assez marqué par votre chapitre sur ce que vous appelez, alors je m'excuse pour le latin, multipositis. Hein, et je vous cite, le droit international est hostile au phénomène sécessionniste et tente à protéger les États, et que ce droit n'est pas une notion en fait juridique, c'est simplement une notion politique, c'est-à-dire un rapport de force. Et donc en vous lisant, on a le sentiment finalement que le droit international est là pour protéger les États, c'est un cartel des États, et non pas c'est pas les Nations Unies, hein, c'est les États coalisés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et donc, est-ce qu'il y a un espoir du côté du droit international qui a joué notre part en volume? C'est un peu normal, parce que les États cherchent à se maintenir. C'est eux qui font la loi. Il faut bien qu'ils luttent contre la sécession. Quand ils sont au bout du chemin où ils ne peuvent plus, ils lâchent. Mais en fait, c'est une épreuve de force. C'est pour ça que je dis la sécession, effectivement, c'est un état de fait. Elle se constate, mais en fait, un État luttera toujours contre les. Regardez l'Espagne, regardez tous les pays, ils se protègent. Il n'y a rien de étonnant. Je ne sais pas comment. C'est une question. C'est-à-dire, c'est une réflexion de fait. La limite, plus de questions. Ça devient un certain point, ça devient une question de fait, c'est plus de droit. On constate que l'État est. C'est des questions d'opportunités diplomatiques dans le secteur, les gens le font considérer entre pays. Ça tient à ça. Il ne faut pas se voiler la face. Parce que, ouais, moi, je ne veux pas profondément. C'est un peu haut de mon place. Hein, mais enfin, regardez la commune aussi. Oui. Peut-être de cette nature-là, il y a un fait qui a été installé par les armes, oui, qui correspond à une certaine réalité de proximité. Et en plus qu'il y a une histoire, mais qui est rejetée par la communauté internationale et par la France. La France ne reconnaît pas que la Crimée fait partie de la Russie et n'est pas prête de le reconnaître, même si elle ne le met pas en haut de la pile des difficultés dans le dossier ukrainien, parce qu'elle cherche à préserver le territoire de ce qui reste de l'Ukraine hors Crimée. Et notamment que les combats cessent, ce qui est le cas, mais il y a encore des difficultés, que les processus démocratiques puissent reprendre, que des élections puissent se tenir, notamment dans la région du Donbass, et qu'ensuite il y ait une loi, et parce qu'au fond, c'est quand on regarde l'histoire, soit il y a eu au bout d'une certaine durée, d'un état de fait, avec les armes ou pas, et de guerre lasse, si je puis dire, des autodéterminations qui ont lieu, soit il y a eu des décentralisations qui ont été toujours de plus en plus poussées. C'est pour ça qu'en Ukraine, la question clé maintenant, ça va être quelle loi de décentralisation? S'il y a une vraie décentralisation qui donne une vraie autonomie dans laquelle, au fond, les peuples se ressentiront bien à nouveau dans une nation commune, peut-être que les revendications vont s'atténuer et que l'Ukraine va vivre dans son intégrité. Et si ce n'est pas le cas, les conflits continueront jusqu'à ce que ça penche d'un côté ou de l'autre. Donc je crois que là, ça je parlais tout à l'heure des collectivités locales, mais la question des pouvoirs locaux et la question que dans une nation, chacun, en fonction de ses racines, de son histoire, se sente bien représenté, elle est totalement fondamentale. Mais donc...